Père, je te remercie encore pour ta grâce. Merci Seigneur, parce que dans cette période de Noël, nous voulons comprendre réellement ce que tu as fait, Seigneur. Et je te remercie pour ça. Merci de nous donner intelligence et compréhension de ce miracle, Seigneur, de ta conception et de ta venue sur la terre. Parce que tu es absolument extraordinaire, Seigneur. Nous voulons comprendre, Seigneur, dans ce que nous pouvons comprendre avec notre intelligence spirituelle. Merci Seigneur d'ouvrir nos cœurs et que ta parole nous révèle les choses cachées. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Alors, on va voir deux textes aujourd'hui. Et je vais vous montrer au travers justement de ces textes. Ces textes, ils sont très très connus, ils sont tout le temps lus d'ailleurs quand on fait Noël. Comment Jésus, on lui a donné plusieurs noms. Et que ces noms, trois noms particulièrement, vont avoir des significations extrêmement prophétiques. On va découvrir dans ces textes, des textes qu'on lit comme ça, vous savez, des fois on lit la parole de Dieu, puis on se dit, bon, c'est bien, ça nous raconte une histoire. Et autour de la naissance de Jésus, vous savez, souvent, bon, on va voir les crèches. Là où il y a l'enfant Jésus, ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. L'enfant Jésus, Marie, Joseph à côté, les mages qui viennent apporter leurs cadeaux. Vous voyez, bon, ça c'est typique parce qu'en fait c'est bon, ramener le récit, visualiser le récit, rendre vivant le récit que nous avons dans les évangiles. Et aujourd'hui, on va découvrir une partie des trois noms, d'ailleurs. On va étudier un nom particulièrement. Et au premier culte de mardi, parce que je ne pourrais pas le faire au deuxième, je terminerai cet enseignement. Donc, on va lire Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Je vais d'abord le lire en français. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Verset 22, « Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Au Kirundi, s'il vous plaît, merci. Gukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya. Nyina Maria yarakowe na Yosefu ataramurongora, bamubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe, kuko ari umugororotsi kandi ko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyumvira umumarayika w'umwami aramwiyereka mu nzozi aramubarira ati Yosefu, mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu yitwe Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ibyo byose byabaye bityo ngo iby'umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa nawe biboneke. Ngo raba, inkumi izotwara inda ibyara umwana w'umuhungu, bazomwita Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye aravyuka, agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe, kandi ntiyigera amwegera gushitsa aho yabyariye umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu. Ok, maintenant nous allons lire Luc chapitre 1, versets 26 à 38.
Ensuite, nous allons rapprocher ces deux textes. Et je vais vous montrer trois noms dont Jésus a été appelé. Sous l'ordre de l'ange Gabriel. Qui devait faire ça parce que le Seigneur avait envoyé Gabriel en tant qu'ange, en tant que messager, pour que Jésus puisse avoir ses noms. Et on va voir que ces noms sont prophétiques. Nous allons découvrir des choses très très intéressantes. Au sixième mois, l'ange Gabriel. Donc on voit maintenant que l'ange qui a parlé à Marie et aussi à Joseph, c'était l'ange Gabriel, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» C'est pas de connaître, là ça veut dire avoir une relation sexuelle avec des hommes, bien sûr. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Regardez bien le verset 35, c'est le verset qui va m'intéresser particulièrement. « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Verset 36, « Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. » Uwo mu nzu ya Dawidi izina ry'iyo nkumi ni Mariya yinjira hari aramubwira ati n'amahoro ugiriye ubuntu umwami Imana ari kumwe nawe ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo yibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo umumarayika aramubwira ati ntacu tinya Mariya kuko ugiriye ubuntu n'Imana umve uzosama inda ubyara umuhungu kandi uzumwite Yesu azoba mukuru azokwita umwana w'isumba byose kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Mariya abaza umumarayika ati ivyo bizobaho bite ko ntaramenya icitse umugabo. Umumarayika aramwishura ati mwemu yera azokuza ko ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana kandi umve Elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe uwitwa ingumba uku ni kwezi kwiwe kwa gatandatu kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Mariya aramubwira ati henda umugurano w'umwami Imana bimbere uko ijambo ryawe rivuzwe maze umumarayika ava hari aragenda. Ce sont des textes très connus. C'est sur ces textes-là, d'ailleurs, que nous appuyons toute l'histoire de ce qu'on appelle la nativité, c'est-à-dire la naissance de Christ. Et au travers de ça, nous allons découvrir des choses vraiment prophétiques très intéressantes qui se sont produites et qui sont très, très puissantes. Et vous savez, des fois, on lit vraiment des textes sans faire vraiment attention. Ici, on va s'intéresser à trois noms. Regardez à la fin. Le texte, d'ailleurs, on commencera par celui-là. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, c'est une expression, Fils de Dieu, d'abord. On va y revenir dans quelques minutes. Et entre-temps, on va prendre les textes que nous avons lus dans Matthieu 1.
Et on a, au, comment dire, au verset 23, au milieu du verset 23, on lui donnera le nom de Emmanuel. Au verset 21, il est dit, on lui donnera le nom de Jésus. Donc on va parler de fils de Dieu. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, je vais parler particulièrement de ça. On parlera d'Emmanuel. Et on parlera bien sûr de Jésus. Et on verra qu'à chacun de ces noms, eh bien, est associé quelque chose de très très particulier. Et ça s'appelle le miracle de Noël. Parce qu'il y a vraiment des enseignements dans ces textes à propos du miracle de Noël. Alors on va regarder d'abord dans Luc 1:35. Et c'est là où je vais développer aujourd'hui particulièrement, parce que là, c'est très, très puissant aussi. Luc 1:35. On va relire ce verset, parce que ce verset est vraiment, vraiment, vraiment très puissant. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » L'ombre, c'est l'onction. Donc, il lui dit, elle dit, comment ça va se faire? Moi, je ne connais point d'homme. Et l'ange lui dit, la puissance du Saint-Esprit va venir sur toi. Va venir te couvrir de son onction. Et il va y avoir un miracle qui va se produire. Et c'est pourquoi l'ange lui dit, c'est pourquoi. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alors là, vous allez bien écouter ce que je vais vous dire, parce qu'il y a souvent des confusions là-dessus. Il est dit à la fin, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et là, il faut que Maître Sonia traduise, interprète très très bien, parce qu'il va y avoir des subtilités. Il n'est pas dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Dieu le Fils. Voilà, c'est vraiment la différence qu'il faut faire, et on va bien répéter. Il est dit, l'enfant qui va naître de toi sera appelé fils de Dieu. Il n'est pas dit qu'il sera appelé Dieu le Fils. Alors, il faut bien comprendre ça. L'onction du Saint-Esprit, parce que ce verset, c'est un des versets clés de la nativité. C'est le miracle que le Saint-Esprit va opérer. Par la puissance, par sa puissance. Le miracle de la conception. Alors pourquoi est-ce qu'il est dit il sera appelé fils de Dieu? C'est là où il y a la clé de ce verset. Pourquoi il sera appelé fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire fils de Dieu? Si je dis fils de Pierre, fils d'Olivier, fils de, je sais pas, fils de Michel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père, c'est la personne qui est nommée en dernier, non? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Si je dis par exemple le fils de Michel, Michel est bien le papa. Vous êtes d'accord ou pas? Michel est le papa. Si je dis fils de Michel, ça veut dire que Michel, c'est le papa. Là, Marie a une annonce faite par un ange. Et l'ange lui dit, il sera appelé fils de Dieu.
Donc le Fils dont le Père est Dieu. Le Fils dont le Papa est Dieu. Là, on parle de l'aspect biologique, l'aspect du corps. Vous allez voir où je veux en venir, ne vous inquiétez pas. Là, c'est clair, l'ange lui dit, il va être appelé Fils de Dieu. Donc, Dieu va être son Père biologique. Pourquoi est-ce que l'ange lui a dit ça? Qu'est-ce que ça nous révèle? Ah, mes frères et sœurs, ça va nous révéler quelque chose d'extraordinaire derrière tout ça. L'ange ne lui dit pas, il sera appelé Dieu le Fils. Et d'ailleurs, vous savez, les religions chrétiennes ont appelé à tort Marie la mère de Dieu. Non, Marie n'est pas la mère de Dieu. Comment est-ce qu'un être humain qui est une créature aurait pu engendrer le créateur? Par contre, Marie est bien la mère du Fils de Dieu. Et ça fait toute la différence. Si Marie avait été la mère de Dieu, ça voudrait dire qu'elle-même est une classe supérieure à Dieu, qu'elle a engendré Dieu. Non, Marie est la mère du Fils de Dieu. Non pas de Dieu le Fils. C'est pas du tout la même chose. Si elle avait pu engendrer Dieu, ça veut dire que Dieu serait créé. Dieu n'a pas été créé, n'a jamais été créé, c'est lui le créateur, il est l'origine, la source de toute chose. Par contre, effectivement, elle est la mère, je dirais, qui a porté cet ovule fécondé que le Saint-Esprit a mis en elle, dans sa matrice, qui a permis le développement du corps de Jésus. C'est pourquoi Jésus a été appelé Fils de Dieu, dont le Père est Dieu, dont le Père biologique est Dieu. Alors, on va essayer de comprendre un peu ça un peu mieux. Qu'est-ce que ça veut dire Fils de Dieu, Fils dont le Père est Dieu? Ça nous parle du côté biologique. Nous nous sommes devenus fils et filles de Dieu au niveau spirituel. Mais au niveau biologique, le Fils de Dieu biologique, dont le Père était Dieu, les deux êtres humains qui n'ont pas été conçus à partir de l'homme, il n'y en a que deux, qui ont d'ailleurs été appelés fils de Dieu. Le premier, ça sera Adam. Le deuxième, ça sera Jésus. Au niveau biologique, et je vais vous montrer de quoi il découle, c'est le fait que Jésus n'ait pas eu de père biologique qui était Joseph. Il a été appelé fils de Dieu. Mais quand tu loues le Seigneur en disant tu es le fils de Dieu, tu es en train de faire appel à une chose, c'est à sa conception miraculeuse. Et au fait que son père biologique n'était pas Joseph, mais était quasiment Dieu le Père. Et on va voir pourquoi. Parce que ça, c'est un des grands mystères de Noël qui nous est révélé dans la parole de Dieu. Regardons Luc chapitre 3, verset 38. 3:38. Vous savez, c'est le genre de passage, à partir du verset 23, on va pas lire, on va lire quelques morceaux de ce passage. Du verset 23 jusqu'au verset 38. Ce ne sont pas les passages que l'on lit régulièrement et que vous seriez capable de citer par cœur, croyez-moi.
Pourquoi? Bah parce que ça nous parle de généalogie. Que un tel est le fils d'un tel, qui est l'autre est le fils d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Alors, par exemple, on lit le début. Au verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, comme on le croyait, fils d'Élie, fils de Matthat, doucement, là, vous allez trop vite, merci. Fils de Lévi, fils de Melki, fils de Jéna, fils de Joseph, etc. Avuga ngo aho Yesu yatangura kwigisha yaramaze imyaka nka 30 avutse kandi biyumvira ko yari mwene Yosefu Yosefu mwene Heri Heri mwene Matati mwene Rewi Rewi mwene mwene mwene. Certains, vous n'avez jamais lu même ce passage de votre vie. Parce que quand vous commencez à avoir tout un tas de noms qui sont nommés, vous dites, « Ok Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire d'autre ?» Donc tu ne vas pas lire ce genre de passage. Il y a parfois des passages dans les nombres, dans le livre des nombres, dans l'Ancien Testament, où il y a des chapitres entiers où on dit « fils d'un tel, fils de truc ». Alors pour nous, ça ne nous parle pas trop. Même pas du tout, sauf si tu as des problèmes de sommeil. Tu peux lire ça et tu peux répéter, au bout d'un moment, tu vas dormir. Ça, c'est sûr. Bon, mais tu ne vas pas en faire une méditation, tu vas faire grandir ta foi. Mais pourtant, c'est dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est dans toutes nos Bibles. Et ce n'est pas par hasard que c'est dans nos Bibles. C'est vrai que les généalogies nous permettent de mettre du temps, le temps par rapport à ce qui s'est passé, nous refaire ce qu'on appelle la chronologie, c'est-à-dire savoir le nombre de millénaires qui se sont passés, de centaines d'années. Mais il y a des passages dans les généalogies, c'est-à-dire la liste de qui a engendré qui dans la Bible, qui nous révèlent de puissantes choses. Donc là, on va lire à partir du verset 34. J'épargne à Maître Sonia de lire tous les versets 24 jusqu'au verset 33 inclus, hein, et à moi-même, parce que c'est un peu long à lire et c'est pas très intéressant tel quel. Alors, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, tout ça, ça nous parle beaucoup plus déjà. Fils de Terah, fils de Nachor, verset 25. Fils de Seruj, fils de Ragou, vous connaissez Ragou. Fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah. Fils de Canaan, fils d'Arpharaxad, hein, tu ne diras pas tout ça. Fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Methuselah, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Méléel, fils de Cainan. Et verset 38, fils d'Enoch, normalement, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Ah, ça nous intéresse, n'est-ce pas? Donc, peut-être lis le verset 37 et 38. Avuga ngo Noa mwene Lameki, Lameki mwene Metusera, Metusera mwene Henoki, Henoki mwene Yeredi, Yeredi mwene Maharareyeri, Maharareyeri mwene Kainani, Kainani mwene Enoshi, Enoshi mwene Seti, Seti mwene Adamu, Adamu w'Imana. Alors en fait, ce qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est quoi? Arero icyo dushaka kuraba. On voit fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, donc on sait que c'est le père. Turavuga ngo se uyu se umwana w'uyu mwana w'uyu turazi ko. Et puis au bout d'un moment, on arrive à Adam. Et Adam, le père, c'est Dieu. Waouh! Et il est appelé fils de Dieu. Très intéressant. Quand nous comparons ces deux parallèles, ces deux passages, l'ange Gabriel dit à Marie, il sera appelé fils de Dieu. Et là, Adam a été appelé dans la parole de Dieu, fils de Dieu. En tout cas, quand il a été créé. Parce qu'après, il a changé de royaume, il est devenu fils du diable, malheureusement. Spirituellement parlant. Vous allez voir où je veux en venir. Donc, il est dit qu'Adam est fils de Dieu. Fils dont le père, le papa est Dieu. Alors, on va regarder dans la Genèse, chapitre 2, parce que c'est là où on va découvrir comment est-ce que
Dieu a créé Adam. Et là, ça va être vraiment intéressant. Parce qu'on va faire un parallèle avec Jésus, puis après on ira faire un tour dans 1 Corinthiens 15. Parce qu'un des grands mystères de Noël, justement, c'est ça. Si la conception miraculeuse de Jésus n'avait pas été faite, si Jésus avait été conçu entre une relation sexuelle entre Joseph et Marie, nous allons voir que le sang qui leur est versé sur la croix n'aurait eu absolument aucune valeur spirituelle pour effacer nos péchés. Alors dans Genèse 2:7, Dieu va nous montrer comment il a créé Adam. La Bible nous dit la chose suivante. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. Qu'est-ce que Dieu nous montre ici dans sa parole? Dieu nous montre qu'il va prendre la poussière de la terre. Et à l'époque, la terre n'avait pas été sous la malédiction de la chute d'Adam et Ève. Les éléments étaient parfaits, il n'y avait pas de microbes, il n'y avait rien dedans. C'est après, quand Adam et Ève ont chuté, que beaucoup de choses ont changé sur cette terre. Il y a eu beaucoup de transformations biologiques à cause du péché qui a amené la mort. Mais je ne veux pas aller trop loin là-dessus ce matin, ce n'est pas mon sujet. Alors d'abord, on voit que Dieu va créer le corps d'Adam. Il prend des éléments de la terre, il les met ensemble et il crée tous les organes d'Adam. Mais j'avoue que j'ai quand même une question que je poserai au Seigneur quand je serai au ciel. Je demanderai au Seigneur, quand tu as créé Adam, tu l'as créé droit, debout, ou tu l'as créé horizontal? Je sais qu'après le Seigneur a fait dormir Adam pour lui prendre un morceau et le multiplier et créer Ève. Mais quand même, je me demande si Dieu a créé Adam droit, c'est-à-dire vertical, ou s'il l'a créé allongé. Je ne sais pas, parce que sinon, peut-être que certains, vous aurez des gènes qui ont fait que vous êtes souvent allongé et que vous aimez dormir. Je ne sais pas, peut-être. Alors, c'est juste une plaisanterie. Alors, on voit que ce que le Seigneur fait, il prend de la poussière de la terre pour créer le corps d'Adam. Et d'ailleurs, les scientifiques ont étudié ce qu'il y a dans notre corps et ils retrouvent tous les éléments dans la terre. Et d'ailleurs, quand on enterre des corps, le bout de chair qu'on enterre, la viande qu'on enterre, entre guillemets, se décompose et se mélange complètement à la terre. L'homme n'est que poussière, il retournera à la poussière, dira Dieu dans la parole. Dans sa parole. Revenons à Adam. Dieu crée Adam, crée tous les organes d'Adam. Et Dieu commence à il souffle dans ses narines. Et d'un seul coup, son esprit et son âme sont créés. Bien sûr, on pense tous, si on a étudié la parole de Dieu et que vous avez fait l'institut biblique, à ce texte où Jésus va souffler dans ses disciples pour recréer leur esprit. Pour les faire naître de nouveau. Et effectivement, c'est un parallèle. Et Adam va devenir une âme vivante, un être vivant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le sang d'Adam
était un sang divin. Adam n'avait pas de corps mortel. Adam ne pouvait pas connaître la maladie. Adam, les cellules d'Adam dans son corps ne pouvaient pas se détruire comme les nôtres jour après jour. La mort est venue dans le corps d'Adam. Biologiquement parlant, quand il a péché, il est mort spirituellement, séparé de Dieu. Et à ce moment-là, il y a eu des conséquences biologiques dans le corps d'Adam. Il est devenu mortel. Et après, il a vieilli. Je sais que les êtres humains, quand ils sont jeunes, ils aiment bien fêter leurs anniversaires. Surtout les jeunes, vous aimez bien fêter vos anniversaires. Les plus vieux commencent à moins vouloir souhaiter leurs anniversaires. Ça devient moins intéressant que quand on avait 18, 20 ans ou 25 ans, n'est-ce pas? C'est normal, parce qu'il y a le processus de vieillissement. Alors, ce sang qu'Adam avait au départ, Adam était fils de Dieu. Son sang était parfait, il était divin. Et la Bible va nous montrer que Jésus est considéré comme le second Adam et le dernier Adam. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 47, Dieu va nous montrer ce mystère, nous révéler ces choses. Et ça, c'est quelque chose qui est très très puissant. Si je vous dis, c'est une vérité qui va nous amener jusqu'à notre rachat. Parce que rappelez-vous que nous avons été rachetés par quoi ? Par le sang de Jésus. Et quand l'ange Gabriel dit à Marie qu'elle va être couverte de l'onction de Dieu, de l'ombre de Dieu, de la puissance de Dieu qui va la visiter, que cette conception ne sera pas une conception entre elle et Joseph, mais une conception miraculeuse, eh bien, directement, il lui dit, c'est pour cette raison. C'est pourquoi l'enfant que tu vas porter sera appelé fils de Dieu. Fils de Dieu. La Bible va nous dire, c'est pourquoi le premier homme, Adam, devint une âme vivante. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse 2:7. Alors après, la Bible va nous dire, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire une source de vie. Devient un esprit vivifiant. Le dernier Adam, vous voyez, d'abord il est dit le premier homme Adam, donc le premier Adam, devint une âme vivante, Genèse 2:7. Fils de Dieu. Fils dont Dieu est le père biologique, aussi bien sûr spirituel. Mais après, il va dire, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et nous savons qu'on parle de Jésus ici. Le dernier Adam est devenu quelqu'un qui va transmettre la vie, une source de vie. Le seul qui est une source de vie, nous savons, c'est Jésus. On parle de vie éternelle ici, bien sûr. Verset suivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est naturel, c'est ce qui est naturel. Animal, c'est pas une très belle traduction, c'est pas très joli. Ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme, rappelez-vous, c'est Adam, tiré de la terre et terrestre. Le second homme, vous voyez, là, on appelle Jésus le second homme, sous-entendu le second Adam. Homme et Adam, ça veut dire la même chose, et du ciel. Pourquoi est-ce que la Bible nous montre et insiste tant là-dessus?
Très simple. Fils de Dieu, fils dont le Père est Dieu. Nous, nous le sommes spirituellement. Quand la Bible nous parle de fils de Dieu, pour Jésus, une des significations, c'est cet aspect biologique. Dieu ne pouvait pas accepter que son fils soit dans un corps mortel avec un sang corrompu par le péché comme nous l'avons nous. Sinon, ce sang n'aurait eu aucun pouvoir de rachat. Nous allons voir deux textes qui nous montrent que le sang de Jésus était quelque chose et quelque chose de très 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 particulier. Turabona imirongo ngaha kizotweka ko amaraso ya Yesu yari amaraso adasanzwe. Le premier texte que nous allons voir, c'est dans 1 Pierre 1 18 et 19. Ah, wo murongo wa mbere ni Petero wa mbere 18 gushika 19. 1 Pierre 1 18 et 19. Petero wa mbere igice ca mbere 18. Et souvent vous savez, on est là en train de dire oui, le sang de Jésus ceci, le sang de Jésus cela, mais il faut comprendre pourquoi. C'est exactement le miracle de Noël. De cette conception qui avait été faite et de cette naissance. Cette conception qui a été faite dans le sein de Marie qui est absolument miraculeuse. Et c'est pour ça que la Bible nous dira, sachant que ce n'est pas par des choses périssables ou corruptibles, ou qui, donc qui sont mortes, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, verset 19 maintenant, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Atari bishira nkifeza canke zahabu ariko mwacunguje amaraso y'igiciro kinini nka y'umwagazi w'intamutagira agasembwa canke ibara niyo ya Kristo. Même si Jésus aurait réussi à ne pas pécher pendant ces 33 ans et demi. Naho Yesu atari gushobora gucumura muri iyo myaka 33 n'itatu. S'il avait eu un sang biologique comme nous, hérité de nos pères, soumis à la malédiction de la chute d'Adam et Ève. Naho byari kubuko ariko akaba afise amaraso nkaya yiwacu yakuye mu gucumura kuri Adam na Eva. Ce sang n'aurait eu aucune valeur pour pouvoir nous purifier. Ayo maraso nta gaciro yabafise kugira tweze. C'est pour ça qu'il a été appelé fils de Dieu, dont le Père est Dieu. Nico gituma yiswe umwana w'Imana se ari Imana. Regardez maintenant ce texte d'Hébreux 9. Murabe rero abaheburayo 9. Et je vais clôturer par ça. Hébreux 9. Voyez, dans l'Épître aux Hébreux, vous allez trouver des choses très particulières concernant justement le sang de Jésus et la façon dont il est devenu le grand souverain sacrificateur. Et voir comment son sang a été mis au ciel. C'est une des grandes bases de notre rachat en Christ. Sinon, il ne pouvait pas y avoir de rachat légal. Si c'était un homme qui avait eu le sang qui était corrompu dans ses veines, le sang que nous avons tous, ce sang qui est sujet petit à petit à la mort naturelle, ce sang qui est sujet à la maladie, ce sang qui a été hérité de nos pères, hérité de la chute d'Adam et Ève, si ce sang-là avait coulé de la tête de Jésus, si ça avait coulé de son dos, si ce sang corrompu avait coulé de ses mains et de ses pieds et de son côté, nous serions encore dans nos péchés. Dieu ne pouvait pas accepter ce sang. Christ devait être sans péché, mais il devait avoir un sang divin qui coulait dans ses veines, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été
touché ou corrompu par le péché. Ariko yategerezwa kugira namaraso ava ku mana atacafuye canke atakase. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Comme le souverain, pardon, sacrifié. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Guaiko Christo amaze kuza, muherezi mukuru w'ivyiza bizoza, aca mu ihema rirusha ryarindi kubirihambaye n'iritunganye gose. Bitakozwe n'intoke bisobanurwa ngo ntiritari ryo mu byaremwe by'ubu kandi amaraso y'impene canka y'amashuri siyo yamushikanye ahera cyane ariko yahashikanywe nayiwe maraso rimwe gusa yironkeye ugucungura kw'ibihe bidashira. Lorsque Jésus est ressuscité qui venait tout juste de sortir de la tombe. Igihe Yesu yazuka avuye mu mva. Marie va le voir. Maria araza kumuraba. Et il lui dira ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Un certain nombre de personnes pensent que Jésus est entre-temps monté vers au troisième ciel pour offrir son sang pour sceller notre rachat. Qu'il est venu offrir son sang. Sang divin. Pour nous obtenir une rédemption, un rachat éternel. Et ça, c'est le mystère de sa conception miraculeuse. Donc, quand vous lisez ces textes ou quand vous regardez ce qui s'est passé autour de la conception et de la nativité, comprenons ce qu'il y a derrière tout ça. Quand Jésus va verser son sang, c'était le sang divin qui coulait dans ses veines. Il n'a jamais péché. Et c'est pour ça qu'il a pu nous racheter. Dans le premier culte de mardi, le 25 à Noël, j'expliquerai les deux autres noms. Emmanuel, qu'est-ce que ça signifiait? Et qu'est-ce que ça prophétisait? Et ensuite, nous verrons le nom qu'on connaît tous, c'est Jésus. Pourquoi est-ce que prophétiquement, l'ange lui a donné ce nom? On verra qu'il y a eu donc la conception pour que Jésus soit fils de Dieu. On verra que Emmanuel va correspondre à Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, c'est-à-dire Dieu le Fils en chair qui exerce son ministère. Et on verra que le nom de Jésus prophétisait l'œuvre de Jésus. Donc ça n'a pas été par hasard que l'ange Gabriel a donné ces noms, que ça avait été prophétisé dans Ésaïe pour Emmanuel et que les Juifs attendaient un sauveur. C'était des noms prophétiques. Fils de Dieu, Emmanuel et Jésus. Nous allons nous lever, nous allons clôturer. Alléluia. Père, nous te remercions encore. Parce que tu es bon, tu es puissant. Tu es vivant, Seigneur. Tout ce que tu fais est parfait. Seigneur, quand tu es venu visiter Marie et que tu as conçu le corps, la semence pour développer le corps de Jésus, Père, tu savais tout ça. C'est toi qui es passé à côté de cette loi biologique pour que le jour où Seigneur Jésus allait se donner à la croix,
Ce sang divin coulerait pour nous. Et ce rachat serait éternel. Que Satan ne pourrait jamais contester ce rachat. Et qu'il pourrait, que Jésus a pu t'offrir ce sang. Sang qui nous a purifiés. Sang qui nous a donné l'autorité d'être libérés des puissances sataniques, de sortir du royaume des ténèbres, de sortir de la propriété du diable, des griffes du diable, pour nous faire naître dans ton royaume. Merci Seigneur pour ce sang précieux. Merci Père pour ce plan incroyable et la gloire qui en suit. Remercie-le, je t'assure, remercie-le. Dieu est un Dieu tellement intelligent et il connaît ses lois par cœur et il a réussi à passer au travers de cette loi où le sang des êtres humains était corrompu par la chute. C'est pourquoi ce sang aujourd'hui a pu te purifier et que tu es parfaitement pur devant sa face. Ce matin, alors que tu es là, peut-être que tu n'avais jamais compris ce mystère de Noël, de la conception de Jésus. Peut-être que tu n'avais jamais compris ça. Et peut-être que ce matin tu es venu ici et tu ne sais pas où tu vas si tu meurs. Jésus veut que tu saches. Il est le Sauveur. Il est venu il y a 2000 ans. Dieu le Fils qui s'est fait chair, qui était fils de Dieu aussi. Ce Jésus est mort pour tes péchés et ressuscité. Il est ressuscité pour que tu reçoives la vie. Ce matin, alors que tu es là, si tu meurs maintenant, où est-ce que tu vas? Je ne te parle pas de religion, je ne te parle pas de peut-être, éventuellement, je ne sais pas exactement. Je te parle d'une réalité. Est-ce que dans ton cœur, tu sais où tu vas? Si tu dis, moi, pasteur, je ne sais vraiment pas. La Bible dit que tu vas aller en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Mais Dieu ne peut pas te forcer à être sauvé. C'est un choix que tu dois faire. Il t'aime tel que tu es, il ne te juge pas ce matin. Mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes pécheur. Il te tend ses mains d'amour et te dit, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai versé mon sang pour te purifier. Ce matin, alors que tu es là, je prie vraiment pour que ton cœur s'ouvre maintenant. Réfléchis sur ta vie. Rencontrer ce Dieu d'amour, c'est la plus belle des choses que tu peux vivre. Même si tu as été rebelle ou que tu es rebelle à lui, que tu es religieux peut-être, que tu es quelqu'un qui te pose beaucoup de questions, Jésus t'aime et il veut te délivrer. Pour ça, tu dois te reconnaître comme pécheur. Tu dois vraiment prendre la décision de dire, je ne veux plus marcher dans cette vie. Tu dois croire que Jésus-Christ est Dieu le Fils, qu'il est Dieu et qu'il est mort pour toi. Parce qu'il a pris un corps de chair comme le tien et comme le mien. Oui, tu dois croire ces choses. Tu dois savoir que tu ne peux pas te transformer toi-même. Mais il est là pour te changer. Il va changer ton cœur. Il va te changer à l'intérieur. Tu dois lui demander pardon sérieusement.
Tu dois te détourner de ton péché et tu dois l'accepter comme sauveur personnel. Pour ce faire, nous voulons prier avec toi et pour toi. Si tu es dans cette situation, ne reste pas dans la perdition. Mais ouvre ton cœur et il va te sauver. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministere-elshaddai.com.